va se mettre en ambiance parce qu'on va se faire le petit Resident Evil 8. Resident Evil 8 que je n'ai pas encore fait et qu'on va découvrir ensemble. Donc let's go, normalement j'ai tout préparé. Voilà, c'est ça. J'ai pas fait le 7. J'ai fait le début, je l'ai pas fini. J'aurais même le refaire aussi à l'occasion. Mais là on va se faire le 5. Et je vais vous laisser apprécier le début. En fait, je vais rester un peu avec vous parce qu'il n'y a pas grand chose. Je vais juste les paramètres ensemble. Bande des voix. Il y a français ou pas? On met texte français, sous-titres. On va se les mettre. Sortie audio. Placez le curseur jusqu'à ce que l'image de cause disparaisse. On a tout lu, hein. On a tout lu. Tiens, on va se mettre ce que j'ai pas fait. Donc, on va se mettre le résumé. Et là, par contre, je me casse. Ok. Par où commencer? Mon nom, c'est Ethan. Ethan Winters. Cette histoire chez les Baker, ça s'est passé il y a 3 ans. J'étais à la recherche de ma femme disparue. Elle m'avait envoyé un email. Elle me demandait d'aller la chercher. Et c'est comme ça que j'ai atterri au milieu de nulle part, en Louisiane. J'ai retrouvé Mia alors qu'elle était retenue prisonnière dans un sous-sol. Mais elle n'était plus la même. Elle m'a attaqué comme une bête féroce. Plus tard, j'ai découvert qu'elle avait été infectée par une sorte de moisissure. J'ai fouillé la maison à la recherche d'un antidote, d'un vaccin ou autre. Les gens qui vivaient là étaient eux aussi infectés. Ce qui restait d'eux n'avait plus rien d'humain. La source de l'infection était une arme biologique ayant la forme d'une petite fille. Elle s'appelait Evelyn. J'ai affronté cette famille de cinglés et j'ai réussi à soigner Mia avec un sérum. Et puis Chris Redfield et son équipe ont débarqué et nous ont sauvés tous les deux.
Est-ce que ça ira? J'ai vraiment plus envie de parler de ce qui s'est passé. C'est terminé maintenant. Franchement, le résumé était pas mal, hein. Ce qui est bien, c'est que ça va pas spoiler la fin, parce que moi je me suis arrêté à peu près au moment où. Au moment où il est en train de fouiller un peu partout dans la maison. En fait, je crois que c'est 30-45 minutes les plus chaudes, c'est ça que j'ai fait en VR. Et je me suis dit, je vais faire ça en stream. Hein. Et j'ai arrêté. Donc pourquoi pas le refaire après celui-ci? Nouvelle partie. Difficulté classique. Est-ce qu'on est des standards? Il y a bien longtemps, une petite fille s'en alla avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied. Mais la forêt les accueillit avec un silence froid et pesant. Les buissons étaient vides. Déterminée à trouver des baies, la petite canaille lâcha la main de sa mère et disparut entre les arbres. Les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait, s'enfonçant de plus en plus dans la forêt. Commençant à se sentir observée, elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère et sa gorge devint toute sèche. Le seigneur des chauves-souris apparut. Il la salua chaleureusement et se mordit l'aile. « Viens, mon enfant. « Étanche ta soif, » dit-il. Elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur. Tandis qu'elle traversait un cimetière, des nuages menaçants recouvrirent le ciel et l'air se glaça soudain. Maigrement vêtu, l'enfant frissonnait, mais un tisserand sombre apparut et d'un claquement de doigts, il transforma la brume en une robe magnifique. « Viens, mon enfant, réchauffe-toi, » dit-il. Elle enfila le vêtement et sourit de bonheur. Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres, à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Mais la faim resserra son emprise et son cœur s'alourdit. C'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires. « Viens, mon enfant, remplis ton estomac !» La fillette mangea et sourit encore une fois de bonheur. Continuant sa route, elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt. Là, un destrier de fer apparut, paré d'un magnifique rouage en or. La créature ne dit rien quand la fillette s'approcha, pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau. Le cheval se mit en colère et appela les autres monstres. Le cœur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. Soudain, vint une sorcière, ténébreuse, mais majestueuse. Plus on t'en donne, plus tu en veux, grognait-elle. Maintenant, nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Ça y est. Elle dort. C'est très joli. T'as pas des histoires moins flippantes? Elle a que 6 mois. Selon la vendeuse, c'est traditionnel. Un conte local. Et puis, ça n'a pas l'air de généreuse. C'est surtout qu'elle comprend pas. Et heureusement, on s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans tout ça. T'as oublié? Ma mémoire fonctionne très bien. Écoute, t'es trop parano. C'est juste. C'est la psychologue. Laisse tomber. Désolé. Mais je suis pas parano. Salut, ma belle. Dans ce cas, va prudemment mettre ta fille au lit. Je vais préparer le dîner. Fais toujours aussi flipper. Regarde-moi ce regard. T'es sûr, elle a un jean encore en l'air. Tout va bien. Ta mère préfère oublier tout ça. C'est lui qui est possédé. Je peux pas lui en vouloir. Tu as dit quelque chose? Rien, je vais la coucher. Mais j'ai pas confiance, moi, je vais pas le garder, hein.
Alors tu cuisines. 10 salons, c'est sûr comme ça que ça commence. Il y a une musique chelou quand je m'approche d'elle. T'approches pas trop de moi quand je cuisine, chérie. Pourquoi? Tu cuisines quoi? C'est la maison du... Pourquoi ce sont des maisons qui font flipper comme ça? On peut pas acheter des appartements tranquilles sur Paris? Petit appartement haussmannien. Avec vue sur la populace. Mais je l'ai dit à maman. T'es un peu petite pour ce livre. C'est genre un petit appart tranquille avec du bruit dehors et tout, et rien de mieux. Donc dans une cité, je préfère. Va falloir que je nettoie tout ça avant qu'on se fasse ses premiers pas. Là, ça serait mieux. Je vais me coucher la petite. C'est Médoc, ce soir. On y est presque, ma puce. Truc de ballon comme ça qui bouge tout seul, je suis pas d'accord. Allez, allez dedans. Et voilà, mon ange. Ne t'inquiète pas, je suis juste en bas. Papa ne laissera aucun vilain monstre t'attraper. T'as fait une promesse, je sais pas si je vais la tenir. Hein. Ouais. On est d'accord que ça va bouger alors que j'ai pas du tout bougé. On va refaire voir si c'était moi. C'est peut-être moi. Je suis peut-être un peu ouf. Bon, qu'est-ce qu'elle nous a préparé le toile? Ça a été? Elle dort comme un bébé. Mmh, ça sent bon, ça, c'est quoi? Hé, hey, bats les pattes! C'est une ciorba de légumes. Une recette locale. Ok, bien. Tu t'adaptes vite, toi, on dirait. Même c'est le vin, c'est marocain. Force de jouer avec les jeans, hein. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux que tu touches pas. Il faut vraiment que t'arrêtes de t'en faire. Je sais, ma chérie, mais... Te retrouver en Louisiane, la grossesse, Chris qui nous amène ici, l'entraînement militaire... Tout s'est enchaîné si vite. Mais au moins, on est ensemble. Toi, moi, Rose. Maintenant, je suis sûre que tu vas... Sérieusement ? Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane ? Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Franchement, je comprends pas pourquoi t'es si... Mia, baisse-toi ! Mia ! Pour finir comme ça. Chris, qu'est-ce que tu fous? Désolé, Ethan. Non! Putain! Pourquoi? Avance!
R.A.S. Rose, qu'est-ce que vous foutez avec ma fille? Nous l'avons. Emmenez-le. Je vous interdis de la toucher! Ethan, non. Sortez-le d'ici. Comment tu peux faire des monologues alors que c'est triste ce qui se passe? Oui, docteur. Bonjour, monsieur Peters. J'ai les résultats de votre fille et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute, disons, jeudi prochain à 4h. Parfait. On y sera. C'était le docteur. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez. Fais pas cette tête. On en a déjà parlé. Je sais. On ne parle quasiment plus que de ça. Et pour la énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète? Dis-moi, elle ira bien, j'en suis sûr. C'est ce qui compte, non? Et nous, dans tout ça, je tiens à toi. Tu vois pas que... Mais de quoi est-ce que tu me parles? Il y a quelque chose que tu m'as pas dit? Vas-y, parle-moi. C'était une cible sur la tête. Faut que je réponde. Film le jeu en fait. J'ai peur de sursauter. J'ai deux sacs ou quoi? C'est deux apps. Les deux scies. Démonte. Approche-toi de moi, je te jure, tu vas regretter. J'ai pas d'arme encore, mais je... Tu veux pas la passer en dessous? Ok. La 3. On se passe les autres aussi. Wow. Putain, c'est quoi ça? Dégueulasse. Ah, c'est des loups. Je comprends. Ah ouais, non, c'est pas des loups.
Vas-y, cours, cours, s'il te plaît. C'est des gamins. Non, c'est sur PS2, c'est des gamins. Je m'en fous, j'avance, je regarde pas derrière moi. Wow, wow. C'est des loups, c'est quoi le truc? J'ai peur. Tu veux prendre ou pas? Non? C'est pas les médocs de l'autre folle? Une arme avant que ça débarque. Et je sais pas où je pourrais les trucs s'il n'y a rien dedans. C'est quoi ça? C'est là-bas, j'ai entendu un truc. Sous-sol. Vraiment des gamins à faire ça. Ça c'est un truc que tu vas faire en VR je pense au bout d'un moment. Avec la VR, ça va faire flipper de ouf. Déjà que là sans VR ça me fait flipper. Je trouve que ça fait plus flipper que le premier. Après le truc c'est que tu... J'aime trop faire un truc comme ça avec, avec le Christ là. Faire un peu avec la religion. Une carte à pêche, je t'ai vu venir. Ça c'est des Illuminati. Wow. Bon, je vais grave pas ouvrir, il y a du sang. Il y a rien d'autre à faire. Allez, je suis obligé. Hein. Ah. Je prends le balai, je le démonte avec. Tout ça pour ça, il n'y avait rien, il y avait juste la souris. Poisseux, soit il a une chance incroyable. C'est quoi ces trucs de terre ça? C'est tout à l'heure, c'est ça. En fait, il y a un monstre, il est sorti. Sorti par là.
c'est quoi ce coup? Ouais. En fait, ouais, rien à faire. Là, il fait jour, je suis content. C'est stylé le jour. Mais où est-ce que je suis? Putain, le jour, j'ai pas peur. Enfin, je ramène les zombies là. Hein. Soit. Quelque part là. Peut-être qu'ils sont sortis. C'est quoi cette maison de squatteurs? Même si on l'a vu tout à l'heure, ça. Ah, je pense que. En fait. C'est en lien avec la sorcière. Ah, ça s'appelle Morricane, hein. Par contre, c'est tout chaud. Ok, c'est projeté, donc c'est pas tout, tout de suite. On dirait les maisons au bled là. Les maisons pas finies. Je me suis un peu perdu. Ah ouais, je pourrais pas aller par là, je crois que c'est bloqué. Ça nous amène à là. Je vais continuer tout droit. Dans Resident Evil 4, cimetière, atelier, lieu de cérémonie. Ils sont tous en train de prier. C'est des frères Muse. Sauvegarde, hein. Parce que moi tellement j'ai peur, je perds un moyen. Quelqu'un vit forcément ici. Là c'est les... C'est du ragoût d'Angleterre, ça. Merde. Elle est fermée. Ça veut dire qu'il y a un combat là. Je fasse quoi avec ça? Ok, il y a ça, des Kellogg's. Je suis qu'il est. Bon, là je peux pas aller. Chemin secret, comme ça. Ah, mais si, je crois que c'était un mur, moi. Je
regarde point. Ah, non, 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 Ducat. Mais tu vas tirer dessus en fait. Qui vous envoie? Personne. Il y a eu un accident sur la route. Chut. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non. Ils arrivent. Et qui ça? C'était quoi ce bruit? Vous avez un flingue? Quoi? Dites-moi que vous avez un flingue. Pourquoi? C'est tout ce qui passe. Prenez-le. Oh mon frère. Je vais gérer, j'ai fait mieux que toi là. Putain! Ça. Je suis quand même sans c'est lequel qui est méchant. Oh, c'est dégueulasse. Oh la vache. Mais putain, c'est quoi cet endroit? Oui, c'est moi, dis-moi, c'est mon miroir. C'est le miroir de moi, c'est un miroir, c'est un miroir, c'est un miroir. À gauche. Je suis un zombie. Je vais tirer lui dessus. Ah putain. Mais lui, il laisse tomber, lui. C'était quoi, bordel? Allez, allez, laisse-moi tirer, là. De là. Est-ce que ça vaut le coup d'y retourner? Non. Je suis un peu perdu comme là. Moi je suis rentré là tout à l'heure. J'ai récupéré un truc. Il n'y a rien d'autre. Donc ici j'y retourne pas. Là il faut un truc pour passer. Ah peut-être ici non? Passer. Là, tu peux
faut retourner au chemin. Là, je pense. Ta grand-mère, mais c'est pas possible ça. Genre tout le jeu, ça va être ça? Début du jeu là, j'ai plus de cœur. Je reviens, je rentre pas dedans. Mais je m'en fous, ça va me bloquer pour la suite. Vas-y, si, faut y aller. C'est bien parce que je serai moi, sinon je serais pas allé. C'est quoi ça? Rien. Ouf. Je recharge maintenant parce que je les connais. Ils sont peut-être au-dessus. C'est au-dessus, je te connais. Et lui me vénère, lui. D'où il vient le sang, il n'y avait personne au-dessus. Ouh, ta mère! Putain, mais c'est pas possible, je vais pas tenir moi mentalement. Ça va pas là. Ah ouais, ils sont beaucoup. Fais comment pour survivre? Elle a dit venez chez Louisa à la maison près des champs. Oh. Thank you.
Wesh. C'est des bâtards. Et merde. Je suis perdu. Frère, je vais laisser trop dur. Possible. Ouais, c'est bon, je suis dead. Je vais prendre facile. C'est quoi le délire en fait là? Tu fais quoi pour t'enfuir? Ils me suivent de partout. Ça y est, c'est fini. Vas-y. Toi je t'ai vu. Je te calcule là. C'est des copains. Je suis en train de faire un tour qui sert à rien du tout. Je suis en train de me perdre tout seul. Ok. En fait, il faut que je cours en fait, avec les calculs. J'ai compris, je peux rien faire. Oh, 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 oh. J'ai pas de balle. Je pense qu'il faut tenir, si je sais pas, c'est pas possible. J'ai que deux balles, je peux pas les pousser tuer. Ok, toi tu viens vers le bas, toi tu viens vers le haut. Une bagatelle. De plus en plus. Oh, oh, monte. C'est quoi, elle là? Ah, c'est ça. Ok. Ah, c'est bon, vous êtes fini, les gars. Fini. Vas-y, venez, bande de bâtards. Ah, vous êtes mort. Ah, vous êtes mort. Ah, ça veut dire hack. Ah, ça veut dire hack. Ah, ça veut dire hack. Ah, t'es pas mort. Oh, t'es pas mort. Oh, gentil. Allez ta mère.
Alors remonte. Remonte. Ah, j'ai plus de balles. Bon. Ah ouais. Après, c'est pas Resident Evil, c'est pas possible. Bon. On respire là. Mais je vais jamais réussir, c'est trop dur. Les paquets de farine. Attends, mais je sais même pas comment j'arrive au menu déjà. Attends, mon cœur il palpite de ouf. C'est trop dur. J'ai un pistolet, un couteau. Les paquets de farine. Ok. Mais ça va servir à quoi d'éclater des paquets de farine? C'est pas grave. Bonjour, lâchez-moi. Allez, avance. Je suis dead. C'est les aveugles. Je vais faire contre tous les zombies. Ah, faut qu'ils crèvent. Je suis mort. Saute vite, hein. Bon, allez, je me tape pas contre lui. Je me faisais pas peur, mais... S'il veut se battre, je ne suis plus là. Oh, mon cœur. Oh là là. Pourquoi j'ai voulu jouer à ça? Oh. Et depuis le début, il fallait juste taper pour faire péter la farine. Je sais pas si c'est mis en bandeau. Attendez! Oh. Je pensais qu'il fallait tous les tuer, moi. J'étais pas prêt, là. Mon cœur reste tombé. Ça va pas, hein. Je te jure. Oh.
J'ai plus une balle nulle part. En fait, j'aurais pu tout économiser quand je suis un gogol. J'ai mis le temps de recommencer. Dans la vie et la mort, nous te rendrons gloire. Madame, restez pas ici, c'est dangereux. Mais c'est quoi ça? Hé, vous m'entendez? C'est toi, le père de l'enfant. Ouais, c'est moi. Attendez, vous parlez de Rose? Elle est ici? Rose! Rose! Oui! Elle court un grand danger. Depuis que Mère Miranda l'a amenée au village, les ténèbres se sont abattues sur nous. De quoi vous parlez? De ces monstres? La cloche du château annonce le malheur. Ils arrivent! Attendez, où est Rose? Qui est Mère Miranda? Le glas sonne pour nous tous. Ça y est, ils reviennent. Vous êtes ici? Elle a rasé, elle est marrante. Par contre, il est quelle heure là? 23h21. Putain, je déteste ce truc de sorcellerie. Carla Moreau, c'est pas mon délire. Et je suis récupéré des balles, s'il vous plaît. Comment on fait pour changer d'arme? Ah ouais, faut que tu appuies sur... Et la triangle, c'est trop bien. Ça te permet d'avoir un souffle. Tu peux jouer tranquille. T'avais déjà vu le début, Babel, ou genre c'était logique pour toi? Moi, c'était grave pas logique hein, qu'il fallait faire péter la farine. Genre, tu fais péter la farine, après, j'aurais te. Ouais, j'étais chaud pour me taper là, je pensais qu'il fallait tous les tuer. J'étais chaud, mais en même temps, j'avais peur. Hein. J'ai mon cœur, il frémousse. Là, s'il faut se retaper, on va reprendre demain. Hein. On va faire ça petit à petit, on va pas faire ça en speedrun. Déjà, j'ai niqué tout mon truc, j'ai plus une balle. Oh là 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 là, mon cœur il va encore. T'avais vu le début, ouais bah. Frère, il faut le deviner ça. Moi j'ai rien vu moi. Pourquoi ça sert à faire un avis pour faire des bêtes d'armes? On aurait dit Resident Evil 4, je te jure ça me fait penser à Resident Evil 4 un peu, le début. T'arrives dans le village et genre faut tenir le coup. Je préfère le truc. Enfin, le mec là, il fait moins peur. Il fait plus peur que la tronçonneuse. Et heureusement, je suis sur Twitch. J'aurais couru, j'aurais fait le tour pendant 10 ans. Jamais j'aurais pensé à mettre un coup de couteau sur la farine. Ok, ça c'est des trucs qu'il faut trouver, les cercles. Ça je vais le prendre, il va y avoir du monde qui va courir après. Alors, Church. Si l'Académie Tessa va sur le village chercher les morceaux de relief, l'un d'eux se trouve dans l'église. L'autre a été confié à Louisa. Chercher les morceaux de relief. La calamité. Ah, on peut sauvegarder ici. Je crois que ça sauvegarde tout seul, moi. J'allais arrêter comme un ouf en plus, juste avant. C'est ça l'église. On dirait des déesses égyptiennes. On dirait un petit peu l'hôtel des trucs de Torsechine dans The Witcher. Les moires de Torsechine, voilà. Les moires de Torsechine.
Elles ont un truc comme ça avec un tableau dégueulasse. Ça fait flipper. J'en peux plus. Ton couteau éclaté. Éclaté ça, ton couteau. Ça marche ça? Alors en fait, ça c'est la maison peut-être de Louisa. Il faut que j'aille à l'église. On va essayer de remettre. Ah non, je peux pas le remettre. Je peux l'ouvrir, ça a été fermé entre temps. Ah non, c'est bon. J'imagine que ça mène au château. Ok. C'est ça, hein. Et il faut l'autre maintenant. Et l'autre il est au château. Des fœtus entaillés. La mère, je me vois pas. Je vous ai prévenu, j'ai un couteau, je me casse en courant. Et ça, c'est ça. On peut se cacher ou. Genre, c'est pas possible. C'est parti pour la course de 2005. Et oui. J'ai dit ouais. Fermez la porte. Oui. Oh, flemme, belle gosse. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites quoi ici? Je m'en étais plus belle que sa première femme. Approche pas. Pitié, vous faites pas de mal. Non. Je vous veux aucun mal. Je suis content de tomber sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants? Non. Ils sont tous chez Louisa. Elle ne répond pas et le portail est fermé. Tais-toi. Il n'est pas d'ici. Pourquoi on le regarde? On va kiffer sur lui. On n'est pas en sécurité ici. Votre père peut marcher? Je vais grave pas vous aider. Un de ces monstres l'a blessé. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut qu'on aille chez Louisa. Moins fort. Il doit y avoir un accès. Restez ici, sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. Il fait trop le héros, là. Ah, pas d'héros, non. Je ne
c'est pas mal. Ok, c'est un four à pizza. Donc... C'est quoi ça? Ah, c'est un morceau de relève. Ah bah oui. À l'intérieur, il suffirait de retirer une vis. Enfin, un tournevis du coup. Ok. Donc, qui dit tournevis dit atelier. Ou c'est des chiottes, ça? Ouais, c'est pas un atelier. Tournevis. Voilà. Ok, bon, bien. Un morceau de relief était à l'intérieur, il suffirait de retirer une vis pour ouvrir ça. Et j'ai quoi, moi? Venez, c'est ouvert. Vite, vite. T'en as mis du temps. Ouais, dans ta gueule. Là, c'est ça de rien. Trop chelou. Il n'a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée. On sera à l'abri ici, n'est-ce pas? Ouais, ce sera mieux qu'à l'extérieur. Hé, vous avez une idée de ce qui se passe ici? C'est à n'y rien comprendre. Mère Miranda nous a toujours protégés, mais... Personne ne répond. Papa! Il faut qu'on entre. Avec eux. Eh oh! Y'a quelqu'un? Elle reconnaîtra ma voix. Louisa, ouvrez! C'est moi, Elena! Arrête de crier! Tu vas attirer les monstres! Julian, du calme. C'est qui, lui? Mon ami! Reste où t'es. Papa! Je t'en supplie, Julian, laisse-nous entrer! Ils vont sentir le sang, vous nous mettez en danger! Mon père a besoin d'aide! C'est pas mon problème. Que se passe-t-il? Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous. Allons, ah ces gens sont nos amis. Allez-y, entrez. Venez, par ici. Je me suis rassuré. Vous n'êtes pas du village? Non, pas du tout. Non. Moi, c'est Ethan. Julian, entrez utile. On va faire une ronde. Qu'est-ce que je viens de dire? Oh, la cougar. Bien. Si Elena vous fait confiance, alors moi aussi. Entrez, Ethan. Passe-moi un tournevis juste. Restez ici, je vais voir les autres. Je sauvegarde. Mais je suis en difficulté facile. Venez, les autres nous attendent.
C'est qui, lui? Un étranger? Vous allez tous nous faire tuer! Anton, du calme! Il a aidé Leonardo et Elena. On s'en sortait très bien sans lui. Venez, Anton. Asseyez-vous. Vous êtes les seuls survivants? De tout le village? Les seuls survivants? Les seuls survivants? Y'a pas de survivants! Un pauvre invalide. Une conne qui arrête pas de chialer. Et vous? Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était? Et vous pensez être à l'abri? Personne n'est à l'abri! Tous les connards dehors se sont fait triper! Et demain... demain, on sera tous morts. Comme son putain de mari. Mais la veilleuse, Roxana! Ça suffit! Cette maison a protégé ma famille durant des générations. Et ivre ou non, chacun est le bienvenu et en sécurité ici. Si, ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici, à la fin? Nous l'ignorons. Nous étions un village pieux et tranquille, mais du jour au lendemain, ces monstres sont apparus et nous ont attaqués. Et puis, il en est venu d'autres. Attendez, Louisa. Où est votre mari? Ils l'ont... Non. Non, non, il est dehors. Quelque part. Il est parti chercher de l'aide. Oui, oui, voilà. C'est ça. Il cherche de l'aide. Prions. Pour lui. Pour nous tous. Bonne idée. Venez. Approchez. Ô puissant, entendez-nous. Unis ensemble dans la prière, nous demandons, depuis les ténèbres infinies, de nous guider vers notre destin. Quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires, nous faisons notre sacrifice et attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire, Mère Miranda. Pour le Shilk. Bien. Le thé doit être prêt. Moi, je participe. Aide-moi, à ça. Aide-moi, Elena, veux-tu? Cette prière, je l'ai déjà entendue. Mère Miranda, pardon. Une vieille femme près du cimetière. Cette vieille sorcière. Elle est juste complètement timbrée, celle-là. Sa dévotion n'est pas dénuée de sagesse. Et j'espère que ça la protégera tout autant que nous. Putain, qu'est-ce que tu fous? Leonardo, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Ça va sortir le visi, hein. Papa! Elena, non! Restez là! Non! Laissez-moi! Il va nous tuer! Il va nous tuer! Venez! J'ai pas de balle là-dedans, on va tuer ça. Mais équipe ça! Ce truc de là. Lâche-le! Ah, bien joué! Ça suffit! C'est pour ça que je peux pas quitter le fusil. Hey, regardez-moi, c'était plus. Là, ça vous avez fait le bon choix. Elena! Elena! Non! Y'a plus rien à faire! Papa! Tu risques de s'effondrer! Non! Vous pouviez pas le sauver. C'était déjà trop tard. Laissez-moi seule! Non! Non! On va sortir d'ici tous les deux. J'ai un fest qui l'a buté. Faut que je sorte d'ici. T'as vu, à peine il a quitté sa meuf, elle s'est fait buter, là, mais elle a trouvé une autre. Il perd pas de temps, lui.
quoi ça? Moi je veux le tournevis pour voir le truc de tête. Ah ok. Il n'y a pas un tournevis quelque part? Ceux qui disent que je le fais en facile, je suis une tapette. Oui, j'assume. J'assume totalement. Oui, et alors ? Ouais. Tournevis en plus ! Je pensais qu'on allait prendre le pick-up, mais en fait, non. Je vais tenter quelque chose. Essayez. Ça brûle. On n'a plus de temps. On n'a pas le choix, faut monter. Venez, vite. Mais je crois que j'avais mal accéléré. En fait, je crois que c'est suite logique, hein. Allez. Ça va aller. Essayez de pas respirer la fumée. Je sais. Merci, Ethan. C'est gentil. J'espère que votre famille est à l'abri. Mais moi aussi. Une fois dehors, je vous la présenterai. J'arrive pas à rentrer là. Avec plaisir. Bon, ça va tenir. Là, on va sortir par là. Dieu merci. Mais après, le village est infesté de monstres. On peut pas les affronter. Il y en a trop. Mais non, non, non. Tout va bien se passer. On va trouver une maison où vous serez à l'abri le temps que je trouve ma fille. Quelque chose me dit qu'elle est dans ce vieux château. Non. Là-bas, vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort. Et je veux pas rester seule pendant que vous... Papa ? Elena, c'est trop tard. C'est plus lui. Elena ! Oh. Il me reconnaît ! Oh. Papa ! C'est trop dangereux ! Bougez pas ! Tenez, attrapez ma main. Ethan, partez ! Sauvez votre fille ! Regardez-moi! Donnez-moi votre main! Putain de merde! C'était sûr en fait. C'était sûr! Mais pourquoi est-ce que tout le monde me
autant pour sa femme. Je comprends pas. C'est un cauchemar. Mais pourquoi ça commence? Ah ouais, il est chaud lui, il frappe là où il s'est fait mort. C'était qui? Un chapeau de paille ou quoi? C'était quoi? Un chapeau de paille de Luffy. C'est une Mugiwara. Bon, c'est l'heure de la salade. Rendu visite. Attends, je fais qu'un truc de se lire maintenant. J'ai pas envie de me retaper toutes ces cinématiques, c'est jamais. Voilà. On va pas tarder à arrêter, hein. De placer pour voir ce qui se passe. Par contre, je sais pas à quoi ça ressemble, mais c'est ça, non? Rien d'autre que le sang et la mort. Tu dois être un dur à cuire, toi. C'est Magneto. Vous êtes qui, vous? Oh, t'es pas d'ici. Encore mieux. Mère Miranda va t'adorer. Très chaud, mec. Arrête de geindre, on y est presque. Aucun d'entre vous n'a besoin de cet homme, et mes filles adorent s'amuser avec les étrangers. De plus, je vous promets que si vous confiez ce mortel à la famille Nutristou, mes filles moi-même nous chargerons d'apprécier son sang. C'est donc, en gros... Fermez-la, vous deux! En gros, tu veux le garder juste pour toi, et nous, on s'amuse quand? Laissez-le-moi, et j'organiserai un spectacle dont tout le monde profitera. Oh, je t'en prie. Qu'a-t-on à faire du pain et des jeux? En tout cas, je peux vous garantir que cet homme... Oui, on sait, il va perdre son petit oiseau à la porte du château, blablabla. J'ai entendu tous vos arguments. Certains étaient moins convaincants que d'autres, mais j'ai pris ma décision. Heisenberg,
Le sort de cet homme est entre tes mains. Mère Miranda, permettez-moi de protester. Heisenberg n'est rien qu'un enfant, et son dévouement envers vous est discutable. Confiez-moi ce mortel, et je veillerai à ce qu'il soit prêt. Ferme ton claque-merde, et sois pas mauvaise joueuse. T'iras chercher ta bouffe ailleurs. Tais-toi, petit morveux. Les adultes discutent. Morveux ? C'est toi qui contestes la décision de Miranda. Je n'ai absolument aucune leçon à recevoir. Ah, c'est ça. Continue à grandir. Ta tête rattrapera peut-être ton ego. Silence ! Ma décision est sans appel. Inutile de discuter. N'oubliez jamais d'où vous venez. Merci, Lycan et messieurs, merci de votre patience. Et maintenant, place au jeu! Nous voyons ce que tu as mis en montre, Ethan Winters. T'es prêt? Non! Non! 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Mais le spectacle commence! Oh, on va courir là en fait. Ah! Putain de merde! C'est ça! Ça me. Cours pour ta vie! Alors là, je vais faire que courir, toi. Ouh! Bien joué. Franchement, j'apprécie. C'est très, très bien, Ethan! Ok, qu'est-ce qui se passe là? Ok, lui il est BG. Ah ouais, tu t'es pris le coup. Oh bâtard. Puis, il est mort là. Il va avoir des pouvoirs lui, c'est sûr. Toujours en vie. Impressionnant. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont là, ils m'attendent. Il y a ça qui tombe. Je peux pas grimper sur ça là? Non, ça c'est mort. Ça c'est mort. Ah ouais, attends. Ça alors, tu es vraiment aussi fort qu'on le dit. Oh, tu penserais quand même pas que je te laisserais partir, si? Je dois continuer à divertir Donna et Moreau. Il est donc temps de passer au clou du spectacle. Attention, ça va se saigner. Rien de tel que la viande hachée américaine. Lui, laisse-le croire que t'es mort. Et on va faire comme ça. C'est ces barges qui ont rose. C'est tout ce que j'en plains encore. C'est là où on était tout à l'heure, ok.
tout ça pour ça. Bienvenue Koro. Je pense que t'es reparti déjà. Vous savez, je vous attendais, monsieur. Quel BG. Vous connaissez mon nom ? Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de vous ici. Un héros qui est à la recherche de sa fille. Est-ce que vous rappelez d'où ? Ouais, d'accord. Bien admettre que ce château a quelque chose de suspect. Ça va être le vendeur, celui-ci. Ouais, un peu comme vous. Je ne suis qu'un humble marchand. Ici ? Je me présente. Je suis le duc. Parlons affaires. Je armes, vous bats. Munitions, remèdes, tout ce que vous désirez, vous trouverez chez moi. Vous cherchez quelque chose en particulier ? Qu'est-ce que t'as ? Jetez un coup d'œil à mes derniers articles. Si vous souhaitez améliorer vos armes, faites-le moi savoir. Ok, et là, bon, c'est quoi ? Ah, j'en donne, il me donne ça ? Ah non. Nous nous reverrons bientôt. Ouais, j'ai pas assez de fric, frérot. La prochaine. Resident Evil 1, Resident Evil 4 et Resident Evil 7. Ils ont mis les recettes des meilleurs. Est-ce que Rose est ici ? Trois filles, Bella, Cassandra, Daniela. Elles répondent au nom de Bella. Elles répondent au nom de Bella, Tachella. Le village. Oh, ça fait être une belle villa. On est dans une belle. Comment est-ce que tu es dans une chèque? On est dans un village. Il n'y a pas trop pour se regarder là. On va essayer d'appuyer sur le bouton. Il n'y a rien pour se regarder. Hein. Sûr. Œuvre d'art ou pas. Ça, c'est du temps de gagner. C'est jamais sûr qu'on va. Le compte de ton nom de Bella. Ah, moi, j'avais dit que j'allais par là juste pour appuyer sur le bouton, pour voir ce que ça fait. Ça se passe, ça se passe rien. C'est que mon avis. Ok. Ok. C'est de l'autre côté. Ah ouais, j'ai pas de munitions. C'est bien ça. Du coup, on peut se mettre à pistolet. Hein. Ils sont pas beaucoup, on va leur tirer dessus, ils sont beaucoup, je crois. Voilà.
voilà où nous allons nous arrêter. Je vous remercie hein, les gens pour la force. C'était sympathique. Franchement, ça fait flipper de ouf. Je trouve qu'il est super bien réussi. Franchement, c'est un très bon opus. Et puis bah, demain on va continuer hein, demain soir. 21h, 22h, 21h je pense. 22h minuit. On va essayer de découvrir ce qui se passe dans cet hôtel. Dans ce manoir. Nous allons essayer de découvrir la provenance de ce bruit strident qui nous a fait frémousser jusqu'au fin fond de notre fémur. Bon. Merci à tous, on va se remettre un petit peu de lumière parce que bon, c'est fini là, la peur. Wow. Bah, merci à tous. On va placer cette partie 1 sur YouTube sur Fish & Steel, sur la chaîne Fish & Steel, et puis on continue demain. Merci à tous hein, de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette première partie avec moi qui était délicieuse. Franchement, c'était top. J'ai kiffé. Et puis voilà. Bah allez, ciao. Tchou tchou. Tchou tchou. OPS.